Je vais passer la parole maintenant à Barbara Carnevali, que je suis très heureux d'accueillir ici, qui est chargée de recherche en philosophie à l'université de Pise et également boursière actuellement au sein du centre littérature et morale dirigé par Jean-Charles Darmon, qui l'a présenté rapidement tout à l'heure. Elle écrit un livre sur Rousseau, qui a été édité en italien déjà, Romantisme et reconnaissance, figure de la conscience chez Rousseau, et qui est en cours de traduction chez Droz, qui reprend les catégories de Pierre Hadot pour interpréter la philosophie morale de Rousseau, et je crois d'une manière plus large d'ailleurs, l'ensemble de la philosophie qu'on pourrait dire moderne. Oui. Donc là, on est à mi-chemin, disons, à mi-chemin. Il n'y a pas de chemin, il n'y a peut-être pas de borne sur ce chemin, mais entre la philosophie ancienne et contemporaine, et sans doute en rejoignant aussi les deux pôles de ce chemin. Donc, merci beaucoup. Merci. Et donc, je vous passe la parole tout de suite. Merci de l'invitation. Le titre de mon intervention est « Les mois ineffaçables ». Et je vais traiter notamment les rapports, la possibilité d'appliquer les catégories de Pierre Hadot à l'ensemble de la philosophie moderne et à la problématique du sujet. Pierre Hadot a élaboré son interprétation de la philosophie antique en réaction à une certaine conception du rapport entre théorie et pratique dominante dans la philosophie moderne. C'est justement le sentiment d'être confronté à un genre littéraire de nature et de finalités très différentes qui a poussé les spécialistes de l'Antiquité tardive à s'interroger sur la différence spécifique de son objet d'étude, en aboutissant à la définition de cette forme particulière de la réflexion philosophique qu'il a baptisée « exercice spirituel ». De prime abord, donc, les rapports entre antiquité et modernité se présentent sous la forme de l'opposition. Pierre Hadot date la transition entre les deux modèles métaphilosophiques de la scolastique médiévale, qui, en assignant à la religion chrétienne le rôle du seul légitime modus vivendi et à la philosophie celui d'Ancilla Theologiae, voué à la spéculation abstraite, a marqué irréparablement les divorces entre manière de vie et philosophie. Cette division des tâches s'est ensuite transmise à l'âge moderne et a conservé sa validité même après l'émancipation du discours philosophique de la théologie. L'idée de philosophie qui triomphe dans la modernité et qui inspire nos institutions pédagogiques et la discipline académique est celle d'un discours théorique, d'un système de connaissances logiquement cohérent et argumenté, mais autonome et indépendant des exigences concrètes de la vie. Dans la perspective de Pierre Hadot, toutefois, les rapports entre antiquité et modernité ne se réduisent pas à l'exclusion réciproque. Bien que sous une forme cachée et minoritaire, la tradition antique a survécu jusqu'aujourd'hui, et son enseignement est encore reconnaissable chez des penseurs qui ont refusé les modèles dominants de philosophie. Les auteurs modernes les plus cités par Pierre Hadot sont notamment Montaigne, Kierkegaard, Nietzsche, Thoreau et Wittgenstein. Mais à sa liste de dissidents, on pourrait ajouter des humanistes comme Pétrarque et Erasme, ce que proposent les spécialistes et collègues et amis de Pierre Hadot, Julius Domanski, et aussi d'autres figures de penseurs anti-académiques et anticonformistes dont on a parlé et on parlera peut-être encore aujourd'hui, tels que Rousseau, Sartre, Foucault. C'est à cette ligne alternative de la philosophie moderne que sera consacrée mon intervention. Je me concentrerai notamment sur la figure de Rousseau, qui me semble particulièrement significative pour comprendre la persistance de l'héritage antique à l'âge classique, aussi bien que les nouveaux enjeux que la modernité a posés à l'idée de philosophie comme manière de vivre. La façon dont Rousseau a réinterprété et essayé d'incarner dans sa vie philosophique l'idéal de la sagesse antique nous permettra de faire apparaître une rupture décisive concernant le rôle de l'individualité dans la morale, rupture qui transforme radicalement ce que, selon Pierre Hadot, la philosophie antique a de plus propre, le rôle de l'exercice spirituel. Nous pouvons pressentir la puissance de cette transformation dans la distance séparant des genres littéraires qui sont souvent comparés en raison de leur nature autoréflexive et du fait qu'ils s'expriment tous les deux à la première personne, les upomnemata et l'autobiographie. La différence entre ces genres littéraires correspond, sur les plans de conception éthique, à la différence entre le travail moral du sage ancien, qui essaye de transcender son moi dans la perspective de l'universalité, et l'égotisme de l'écrivain moderne, convaincu de l'importance et de l'intérêt de son existence individuelle, et très souvent imbibé de narcissisme et d'exhibitionnisme.
Mais avant d'aborder Rousseau, je voudrais consacrer quelques considérations à Montaigne, dont la position philosophique offre un premier et important aperçu de la question qui sera au centre de mon analyse. Comme Pierre Hadot lui-même l'a souvent remarqué, les essais sont l'œuvre moderne la plus proche de sa conception de la philosophie antique. À la base de cette proximité, il y a une profonde affinité d'esprit, une intuition originale du monde et de l'essence de la vie humaine, qu'il décrit d'une manière qui rappelle le fameux éloge de Montaigne écrit par Nietzsche. Je cite de Schopenhauer comme éducateur, « Qu'un pareil homme écrit, véritablement la joie de vivre sur terre s'en trouve augmentée. » Dans cet amour pour la vie, toujours d'après Nietzsche, Pierre Hadot nous invite à reconnaître l'héritage du socratisme, dont l'interprétation donnée par les essais est un portrait parfait de son idée de la philosophie comme manière de vivre. Socrate y apparaît comme le sage aimant la condition humaine dans toutes ses formes, les plus élevées et les plus humbles, le sage qui supporte avec autant de grâce la condamnation à mort que les caprices de sa femme, qui est prêt à faire la guerre pour défendre son pays ou à s'abandonner à ses extases contemplatives au milieu d'une foule, mais aussi à danser ou à jouer avec des enfants. Montaigne partage la même attitude à l'égard de la vie humaine. Il l'étudie avec curiosité et intérêt dans toutes ses manifestations, et tout en reconnaissant ses limites et ses faiblesses, il apprend à l'accepter avec joie. C'est ainsi que sa recherche des sagesses devient un art de l'existence. Pierre Hadot a adopté la devise de Montaigne sur le métier de vivre, et dans l'épigraphe de « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», il a placé le fameux passage « Je n'ai rien fait d'aujourd'hui, quoi avez-vous pas vécu ?» C'est non seulement la fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations. Mais la présence de la philosophie antique dans les essais ne se limite pas à cette inspiration généralement socratique. Elle se concrétise aussi dans la fréquentation assidue des auteurs classiques, qui inspirent presque chaque méditation de Montaigne et qui reviennent dans les innombrables citations, allusions et anecdotes tissant ces pages. Parmi les sources les plus riches, on trouve les philosophies hellénistiques, dans lesquelles Montaigne puise d'une manière tellement proche de l'exercice spirituel qu'il serait possible de donner même cette signification au mot « essai », qui renvoie, comme on le sait, aux idées de tentatives et d'efforts. L'exercice de Montaigne consiste dans la méditation répétée des dogmes du stoïcisme, de l'épicurisme et du scepticisme. Il n'est pas important d'ouvrir ici la question épineuse de la dette spécifique envers ces différentes traditions, qui sert à installer dans les moi une connaissance plus approfondie de la nature véritable des choses. Cette connaissance, à son tour, est la condition théorique indispensable de la sagesse pratique, parce que ce n'est qu'en reconnaissant et en acceptant sa véritable place dans l'ordre du tout que le sujet peut apprendre à transformer ses attitudes individuelles, pensées, passions, habitudes, et à se façonner dans la perspective du bonheur. La proximité entre la méditation de Montaigne et la tradition étudiée par Pierre Hadot est évidente, entre autres, dans l'essai « Comment philosopher, c'est apprendre à mourir », dont je vais en citer un passage qui me semble particulièrement représentatif. Il est incertain où la mort nous attend, attendons-la partout. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Il n'y a rien de mal en la vie pour celui qui a bien compris que la privation de la vie n'est pas mal. Le savoir mourir nous affranchit de toute subjection et contrainte. Et pourtant, c'est justement en plein milieu de ces considérations inspirées de l'enseignement d'Épicure et d'Épictète qu'émerge chez Montaigne un élément tout à fait inédit pour les antiques. La voix d'un moi individuel qui réclame de l'attention pour sa singularité particulière, empirique et contingente. Cette voix privée use de la méditation morale sur le thème de la mort pour nous raconter avec complaisance les circonstances précises de sa naissance. « J'ai naqui entre 11h et midi le dernier jour de février, 1533. Quand nous comptons à 7h, commençons là en janvier. Il n'y a justement que 15 jours que j'ai franchi 39 ans. Il m'en faut pour le moins encore autant. » C'est juste un échantillon du tropisme que j'appellerais autobiographique, en entendant l'autobiographie moins comme un récit historique de nature romanesque que comme un discours consacré à sa propre vie individuelle dans sa contingence empirique. Montaigne justifie l'importance et l'intérêt de cette forme de discours par un souci de vérité, car il n'y a d'autre accès possible à la connaissance de l'homme que la connaissance de soi-même.
mais il est aussi tout à fait conscient de la nouveauté et des risques de son entreprise qui rompt avec les conventions de son temps. Je cite, « La coutume a fait les parler de soi vicieux et les prohibe obstinément en un de la vantance qui semble toujours être attachée au propre témoignage. » Et cependant, Montaigne ajoute, « Il faut passer par-dessus ces règles populaires de la civilité en faveur de la liberté et de la vérité. » Il est important de rappeler que les conventions rhétoriques dominantes à l'époque de Montaigne étaient fondées sur l'autorité et l'exemple des anciens, Aristote, Cicéron et Plutarque, entre autres, et présupposaient à leur tour une assumption morale généralement partagée. Tout discours sur soi est une forme de vantardise, une exaltation orgueilleuse et illégitime du moi individuel, qui ne mérite en tant que tel aucun intérêt. La morale chrétienne, par l'autorité d'Augustin, a appelé ses penchants à l'autocélébration et à l'autoglorification amour propre, et lui a attribué les rôles du péché originel de la conscience. Mais la condamnation chrétienne n'est fait que reproduire sous forme religieuse l'interdiction de la morale antique. Suffirait à l'éprouver la réaction presque unanimement scandalisée des premiers lecteurs des essais, dans laquelle convergent les blâmes d'un humaniste comme Scaligère et celui d'un augustinien comme Pascal. À ces derniers, on doit notamment la formule tranchante « les sots projets qu'il, Montaigne, a eu de se peindre ». Certes, on pourrait répliquer que même des auteurs antiques, comme Sénèque ou Marc Aurèle, ont parlé et écrit d'eux-mêmes. Mais comme Pierrado l'a toujours précisé, et notamment à propos des rapprochements entre sa notion d'exercice spirituel et la notion de culture de soi de Michel Foucault, pour la philosophie antique, les discours à la première personne est seulement un outil, le vecteur d'un processus d'universalisation. La vraie finalité de l'exercice spirituel est de transcender la composante la plus particulière et donc insignifiante du moi, pour lui permettre de retrouver sa vocation universelle en convergeant avec les principes rationnels qui régissent la nature. Il s'agit pour les philosophes d'abandonner sa vision égoïste, égocentrique, anthropomorphique et partielle de la réalité pour se hausser à voir les choses du point de vue de Dieu, de la raison du tout. Or, les gestes autobiographiques inaugurés par Montaigne se fondent justement sur la légitimation et l'affirmation de cette composante particulière et insignifiante du moi qui constituait les cibles de l'exercice moral des anciens. Et bien que Montaigne soit sincère dans son souci de vérité et que les intentions de son geste ne soient pas forcément narcissiques et vantardes, l'amour-propre entre dans son discours, ouvrant un champ nouveau à la psychologie et à la morale moderne. Il est donc temps de passer à Rousseau. Avec Rousseau, cette partie du moi dont nous avons décerné la naissance chez Montaigne s'affirme ouvertement. Le cas est encore plus intéressant dans la perspective de notre réflexion sur les rapports entre antiquité et modernité, car au maximum des renvois explicites à la tradition antique correspond chez Rousseau le minimum de familiarité authentique avec la pratique de l'exercice spirituel. À la différence de Montaigne, qui refuse toute posture exemplaire en se limitant de puiser dans les socratismes son amour pour la vie, Rousseau joue le rôle du sage et s'identifie publiquement aux modèles anciens. Son effort pour atteindre la cohérence morale, convergeant avec la normativité universelle de la nature, se heurte pourtant à la résistance d'une force opposée, dans laquelle s'exprime justement cet amour-propre que la tradition antique s'efforçait d'effacer. Considérons d'abord le premier aspect, la façon dont Rousseau hérite de la tradition antique. Née sous la forme d'une dénonciation morale, la critique de la civilisation formulée dans les discours sur les sciences et les arts, la pensée rousseauiste s'est toujours proposée moins comme un système de connaissances que comme un éthos vécu, une attitude existentielle contre la société et la culture de son temps. Ce n'est pas un hasard si quelques mois après avoir triomphé au prix de l'Académie de Dijon, Rousseau prend la décision de changer radicalement son style de vie. Le philosophe qui a si violemment blâmé la décadence des mœurs contemporaines ne peut pas se soustraire à la preuve de la cohérence et essaye d'attester la validité de ses principes abstraits par la force de son exemplarité personnelle. Cet épisode justement célèbre, appelé par Rousseau « ma réforme », inaugure la naissance du rousseauisme comme manière de vivre philosophique, au sens précis que Pierrado donne à cette expression. J'évoquerai la réforme selon la description détaillée que Rousseau en donne dans ses rêveries. « J'ai quitté le monde et ses pompes.
J'ai renoncé à toute parure, plus d'épée, plus de montre, pas des bas blancs, des dorures, des coiffures, une perruque toute simple, un bon gros habit de drap, et mieux que tout cela, j'ai déraciné de mon cœur les cupidités et les convoitises qui donnent du prix à tout ce que j'ai quitté. J'ai renoncé à la place que je coupais alors pour laquelle je n'étais nullement propre, et je m'ai mis à copier de la musique à tant la page, occupation pour laquelle j'avais eu toujours un goût décidé. Je n'ébornais pas ma réforme aux choses extérieures, j'ai senti que celle-là même en exigeait une autre, plus pénible sans doute, mais plus nécessaire dans les opinions. Dorénavant, Rousseau donnera une importance extrême aux détails apparemment les plus banals et insignifiants de sa vie privée. Dans les confessions et les œuvres autobiographiques, il décrira soigneusement sa façon de s'habiller. Après les bons gros habits de drap, il choisira un caftan arménien, les lieux où habiter, la forêt de Montmorency, l'ermitage, la campagne, des lieux encore proches de l'état de nature qui s'oppose symboliquement à la vie corrompue de Paris. Et son régime alimentaire, qui privilégie évidemment des produits naturels et non sophistiqués. Il éprouvera les besoins de justifier ses fréquentations sociales, des jeunes du peuple par élection, des grands seulement par nécessité, et de proclamer que son travail manuel de copiste lui garantit l'indépendance matérielle et spirituelle. La réforme de Rousseau est en somme une parfaite conversion selon la définition de Pierardot. Recommencement absolu par un retour à l'originel et à l'originaire, à l'essentiel, à l'authentique. Elle atteste la tentative de faire converger chaque moment de la vie quotidienne vers les pôles normatifs de la nature. Ces derniers concepts jouent dans les systèmes rousseauistes un rôle équivalent sous plusieurs aspects à celui de la physis stoïcienne. C'est l'inspiration à s'identifier avec la nature qui permet au sujet d'atteindre les points de vue de la totalité cosmique et d'accepter son juste rang parmi l'ordre naturel des êtres. Dans la profession de foi du vicaire savoyard, la partie de l'Émile contenant le cœur métaphysique de la pensée rousseauiste, on peut lire la fondation philosophique de ces gestes de recentrage moral où résonne l'écho des exercices spirituels. Je cite « Ô homme, resserre ton existence au-dedans de toi, et tout ne sera plus misérable. Reste à la place que la nature t'assigne dans la chaîne des êtres. Rien ne t'en pourra faire sortir. Ne réjambe point contre la dure loi de la nécessité, et n'épuise pas, à vouloir lui résister, des forces que le ciel ne t'a pas données, pour étendre ou prolonger ton existence, mais seulement pour la conserver comme il lui plaît, et autant qu'il lui plaît. » Ta liberté, ton pouvoir, ne s'étendent qu'aussi loin que tes forces naturelles, et pas au-delà. Tout le reste n'est qu'esclavage, illusion, prestige. Rousseau connaît bien Sénèque, Épictète, et les principes essentiels de la philosophie épicurienne. Cette tradition jouera un rôle très important dans l'Émile, où les exercices spirituels sont appliqués sous une forme pédagogique, et reviendra occasionnellement dans les écrits autobiographiques, comme dans cette page de rêverie très aimée par Pierardot, où Rousseau décrit son expérience unitive avec la nature. L'influence du modèle antique est encore plus évidente si l'on considère que pour justifier la nécessité de vivre de façon plus cohérente, Rousseau se réclame explicitement de l'exemple socratique, ainsi exalté dans les discours sur la vertu du héros, à côté de celui d'Hécaton. Je cite « Si Socrate était mort dans son lit, on douterait peut-être aujourd'hui s'il fut rien de plus qu'un adroit sophiste. » Refusant la séparation entre discours et vie qui s'est imposée dans la pensée moderne, et notamment dans cette nouvelle sophistique qui, à ses yeux, est la philosophie des Lumières, Rousseau essaye de réactualiser la figure démodée du sage. Il s'engage avec son public à faire ce qu'il dit et à dire ce qu'il fait. C'est dans cet effort qu'il voit la différence essentielle entre sa pensée et celle des philosophes. Je cite des confessions « C'est fou moi ma célébrité littéraire que ma réforme personnelle qui m'attira leur jalousie. Ils m'auraient pardonné peut-être de briller dans l'art d'écrire, mais ils ne purent pas me pardonner de donner par ma conduite un exemple qui semblait les importuner. » L'imitation de l'Antiquité devient donc à son tour exemplaire, offrant à ses disciples potentiels un modèle éthique dont l'efficace est proportionnelle à sa force vivante. Il faut remarquer d'ailleurs que le pari d'exemplarité de Rousseau aura un succès extraordinaire. On ne saurait citer des penseurs modernes qui aient eu plus d'imitateurs dans tous les domaines où il a exercé son autorité.
Il existe un rousseauisme politique, les révolutionnaires de 89, un rousseauisme littéraire, les fanatiques de la Nouvelle Héloïse ou des Confessions, et un rousseauisme existentiel, les mots de vivre à la manière de Jean-Jacques, qui s'est diffusé même dans les milieux les plus insoupçonnables, comme la cour de la reine Marie-Antoinette. Si on mesurait l'efficacité d'un enseignement philosophique par les nombres et l'enthousiasme de ses élèves, le rousseauisme serait sans aucun doute l'école principale de la modernité. En somme, si on considère la morale de Rousseau à la lumière des catégories de Pierre Hadot, on trouvera une réponse à beaucoup des questions qui hantent la critique depuis longtemps, en commençant par les problèmes du rapport entre les textes autobiographiques et les œuvres plus traditionnellement théoriques. Dans la perspective de la philosophie comme manière de vivre, les récits des confessions se révèlent les compléments naturels et indispensables des idées rousseauistes, une autodoxographie, une sorte de Diogène Laërce à la première personne. Il ne faut pas s'étonner, en outre, que les problèmes du rapport entre théorie et pratique aient toujours représenté un point critique de la réception du rousseauisme, au point que, encore aujourd'hui, les personnages de Jean-Jacques est l'antonomase populaire de l'incohérence. D'une certaine façon, Rousseau a recherché et mérité ce destin. Dénonçant des contradictions entre sa pensée et son comportement, ses ennemis ont simplement pris à la lettre sa posture exemplaire. Telle était par exemple l'intention de Voltaire dans Les Sentiments des citoyens quand il rappelait au public que l'auteur de l'Émile avait abandonné tous ses 5 enfants, ou quand il s'est moqué de Rousseau en cafetan arménien, moins semblable à un sage ancien qu'à un saltimbanque. Ajoutant par amour de l'hyperbole que ses débauchés avaient même tué sa belle-mère, Voltaire exagérait bien sûr, mais son propos était bien visé. L'homme qui adopte la vocation antique de la philosophie s'expose tout naturellement aux critiques de sa manière de vivre. La remarque de Voltaire sur les saltimbanques, fine comme d'habitude, nous conduit à l'autre côté du rapport de Rousseau à la tradition antique, l'explosion de cette différente conception de l'individualité fondée sur la passion de l'amour propre, que j'ai appelée égotiste ou narcissique. Il semble, en fait, il y avoir toujours quelque chose d'excessif, de bizarre, d'exhibitionniste dans la manière dont Rousseau assume son rôle de sage. On a souvent les soupçons de la mise en scène et de l'avantardise. Ce n'est pas un hasard si, tandis que Rousseau prétend s'inspirer surtout des modèles socratiques et stoïciens, ses contemporaines évoquent plutôt les cyniques Diogène, c'est-à-dire les philosophes antiques célèbres par son goût de la provocation et du scandale. « Singe de Diogène, comment tu te condamnes toi-même ?» commentera significativement Voltaire, en lisant les pages du discours sur les sciences et les arts qui dénoncent la volonté des hommes civilisés de faire parler d'eux-mêmes. On pourrait répliquer à cette perplexité en remarquant que l'étrangeté de Rousseau ne fait que reprendre un des aspects les plus spécifiques de la tradition antique, la fameuse atopie socratique. Je vais donc rappeler brièvement l'histoire et la signification de ces concepts fondamentaux à qui Pierre Hadot a consacré des pages remarquables. Atopos et atopie sont les mots qui reviennent fréquemment dans les dialogues de Platon pour décrire les caractères de Socrate, en particulier dans les fameux éloges prononcés par Alcibiade dans les banquets. Les mots atopos signifient étymologiquement hors lieu ou sans lieu, et peut-être donc traduit comme étrange, extravagant, absurde, inclassable, déroutant. Les philologues se sont beaucoup interrogés sur la signification exacte de cette appellation, tandis que les philosophes l'ont interprétée plus librement selon leur sympathie théorique. Montaigne, on l'a vu, comme expression de l'individu, de la disponibilité pour toutes les formes de vie, de l'universalité. Kierkegaard comme expression de l'individualité existentielle, de l'unique. Nietzsche comme la posture intempestive du philosophe contre l'esprit du temps. Quant à Rousseau, il suffit d'évoquer une page emblématique de ses confessions qui cristallise plastiquement la particularité de son attitude atopique. Il s'agit de l'épisode qui raconte la représentation du devant du village à la cour de Louis XV. Le philosophe, qui vient de publier son discours et d'appliquer sa réforme, reçoit une invitation officielle de la part du roi, qui veut lui proposer une pension à vie. C'est un moment clé, symboliquement crucial, de la vie philosophique de Rousseau. Et voilà comme Rousseau lui fait face. J'étais ce jour-là dans les mêmes équipages négligés qui m'étaient ordinaires. Grande barbe et perruque assez mal peignée. Prenant ses défauts de décence pour un acte de courage, j'entrais de cette façon dans la même salle où devaient arriver peu de temps après les rois, la reine, la famille royale et toute la cour.
J'allais m'établir dans la loge où me conduisait Monsieur de Cuiry, et qui était la sienne. C'était une grande loge sur le théâtre vis-à-vis une petite loge plus élevée, où se plaça le roi avec Madame de Pompadour. Environnée des dames et celle d'hommes sur les devants de la loge, je ne pouvais douter qu'on ne m'eût mis là précisément pour être en vue. Quand on est allumé, me voyant dans cet équipage au milieu des gens tous excessivement parés, je commençais d'être mal à mon aise. Je me demandais si j'étais à ma place, si j'étais mis convenablement. Barbe longue, cheveux mal peignés, parure intentionnellement négligée, il ne manque rien au cliché de l'artiste en révolte contre la société qui sera consacrée par le romantisme et le décadentisme et que nous retrouvons aujourd'hui dans l'image populaire du génie, qu'on pense aux icônes de Beethoven et d'Einstein, ou dans les attitudes faussement provocatrices de rockstar. Certes, au moment où Rousseau fait ses gestes, la révolte romantique n'est pas encore devenue un cliché. Ce qui, pour nous, habitués au stéréotype de la rébellion, n'est plus transgressif, l'était énormément à l'époque de Rousseau, dans la société des cours du XVIIIe siècle. La recherche intentionnelle du scandale dans la société de la formalité est une des conditions des possibilités du rousseauisme comme phénomène culturel. Bref, si Rousseau s'est approprié la topie, il l'a fait en extrémisant jusqu'au bout son potentiel d'extravagance et d'excentricité. Même Spinoza vivait retiré en faisant un simple travail manuel, mais son choix de véritable stoïcien était mûri dans l'ombre et dans la modestie. Mon départ, ma décision fit du bruit, tout Paris en parlait, nous répète en revanche sans arrêt Rousseau. Plus que rappeler la cohérence et l'authenticité du sage ancien, son attitude semble anticiper le dandysme. Et dans cette différence, on perçoit une conception totalement nouvelle de la valeur de l'individualité et du moi particulier. Les gestes au théâtre de Fontainebleau, au fond, n'est fait que reproduire dans la pratique les gestes autobiographiques qui ouvrent les récits des confessions. Je cite « Être éternel rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables, qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rugissent de mes misères, que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité. » Et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose, je suis meilleur de cet homme-là. Cette voix qui prend la parole en revendiquant le droit de parler de soi et qui réclame l'attention de toute l'humanité est encore plus privée et nourrie d'amour propre que celle de Montaigne. Les réactions du public de Rousseau seront par conséquent encore plus scandalisées que celles des lecteurs des essais. Il serait préférable de ne pas utiliser des catégories abusées comme celle des moi modernes ou des subjectivités modernes, renvoyant implicitement à une philosophie de l'histoire qui voit un développement téléologique dans les rapports entre l'Antiquité et la modernité. Mais il est évident que dans la façon dont Rousseau interprète la philosophie comme manière de vivre, on assiste à l'émergence d'un phénomène nouveau, une nouvelle conception de l'authenticité morale qui se fonde sur un rapport très différent entre individualité et universalité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé qui, sur Rousseau, nous a fait sentir à la fois la force et la difficulté d'une transposition du modèle du sage et de la philosophie comme manière de vivre à l'époque moderne. Et je pense qu'on va aller dans cette variation historique sur ce thème transhistorique, très loin dans ces tensions et ces contradictions. Donc on a le temps pour quelques questions avant la pause que nous ferons ensuite, et avant donc la troisième conférence de cette matinée. Donc s'il y a des questions, oui, je vais passer le micro. Je rappelle que le micro, c'est plus pour l'enregistrement que pour simplement le son. Bonjour, alors la question c'est plutôt par rapport à Montaigne que par rapport à Rousseau, et c'était sur le fait que chez Pierrado notamment la vision de l'exercice spirituel dans l'Antiquité est liée aussi à toute une posture par rapport au monde, ce qui est l'une des raisons justement de sa distinction par rapport à la culture du moi à la culture de soi chez Foucault. Au fond, l'exercice spirituel, c'est une forme de sagesse où le sage se met en adéquation avec le monde, une sorte de sagesse du monde, comme l'entendrait Rémi Brague. Et alors, chez Montaigne, cette posture est strictement, me semble-t-il, impensable.
elle est impensable d'une certaine manière parce que Montaigne réactive une attitude plutôt, disons, sceptique par rapport au monde qui rend très difficile ce genre de choses-là. Alors quel est le lien, si lien il y a, entre ce que tu as décrit comme l'émergence d'un tropisme autobiographique et du moi et ce type d'impossibilité d'adéquation au monde que Montaigne pourrait éprouver dans sa réactivation d'une posture plutôt sceptique, si il y a un rapport, c'est une question ouverte. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que si on interprète l'exercice spirituel comme la tentative de replacer, de recentrer les moi dans la dans les tout et dans la et surtout d'effacer la conception égocentrique et anthropomorphique, on peut lire comme ça l'essai le plus célèbre et plus important d'un point de vue philosophique, qui est l'apologie de Raymond Sebon, qui est toute une critique de la vision en fait égocentrique des choses. Donc c'est une forme de long exercice spirituel, à mon avis. C'est tout à fait vrai ce que vous avez dit en spécifiant le rôle du scepticisme, mais je pense quand même qu'on peut retrouver l'esprit authentique de l'exercice spirituel dans l'entreprise de Montaigne, qui est en même temps cohabite avec ces tropismes naissants vers la légitimation de la partie la plus privée et particulière du moi. Merci. D'autres questions ? C'est une question qui peut s'adresser aux deux... aux deux orateurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la réédition du livre de Pierre Hadot sur Plotin, une postface qui est une mise au point où, dans une certaine mesure, Pierre Hadot affirme que sa, sinon son identification, en tout cas sa sympathie au sens fort du mot pour la pensée de Plotin, était en partie fondée sur... à l'origine sur un équivoque, dans le sens où cette approche traditionnelle et antique, en particulier telle qu'on la retrouve chez Plotin, implique un certain type de détachement radical par rapport au monde, qui pour Pierre Hadot, sympathisant avec une approche romantique des choses, n'est pas vraiment acceptable. Donc lui-même a été amené à faire une mise au point sur la manière dont la sympathie qu'un moderne, comme lui-même se considère, peut éprouver pour les approches anciennes, reconnaît des limites. Et il me semble qu'il y a un certain rapport avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire une désindividualisation ou une individualisation. Voilà. Oui, concernant Plotin, effectivement, cet auteur pose de manière particulièrement aiguë la question de savoir comment on peut s'en inspirer, comment on peut refaire retour vers les anciens. Il est d'emblée sans doute plus facile de chercher un modèle du côté des stoïciens ou des épicuriens. Il semble plus radical, disons, de vouloir retourner à Plotin. Donc la question est de savoir comment on le lit dans le sens de l'actualisation ou de la relative actualisation. Et bien entendu, là, des problèmes nouveaux se posent par rapport aux autres traditions philosophiques dont je parlais. Pour ma part, je suggérerais volontiers que on peut trouver dans Plotin, comment dire, même si c'est sur le mode d'une transposition et même si dans sa perspective, ça s'appuie sur une métaphysique, donc d'inspiration platonicienne, on peut retrouver chez Plotin à la fois l'idée de l'ouverture aux autres, de l'ouverture au monde. Simplement, il y a une forme de transposition
opposition. C'est-à-dire que le vrai monde n'est pas, si on peut dire, c'est le monde intelligible et pas le monde sensible. Les vrais autres, ce sont les âmes, ce ne sont pas les êtres incorporés, si on veut, que nous paraissons être. Bon, si on accepte de penser dans les termes de ce décalage, on peut retrouver chez Plotin quelque chose de très intense et d'actualisable, hein, qui est effectivement lié à toute la réflexion sur la conversion intérieure, sur l'ouverture à ce qui est, sur le désir du bien et donc sur l'intense amour qui nous pousse vers ce qui est, vers le principe, moyennant ces aménagements. Plotin offre un très beau modèle aussi, mais effectivement cela suppose pour que l'on puisse entrer dans cette forme de reprise de dialogue et reprise de modèles antiques, ça suppose dans le cas d'un Plotin une certaine transposition, ce qui, alors qu'on est davantage de plein pied chez les stoïciens et les épicuriens, parce qu'il y a un certain nombre de dogmes et de pratiques ordonnées à ces dogmes qui semblent pouvoir être reprises telles quelles. Mais c'est, au fond, cela est relativement trompeur, parce que, j'en finis, mais en un sens, il est intéressant aussi de s'interroger sur les plus radicaux, les plus étranges des philosophes anciens. C'est intéressant parce que ça nous amène à prendre conscience du fait que, de toute façon, il doit y avoir des formes de transposition et d'adaptation. Hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, Pierre Hadot n'a jamais dit que l'on pouvait être stoïcien au sens plein du terme. Aujourd'hui, ça suppose déjà des aménagements et, en un sens, le néoplatonisme peut, comment dire, nous aider aussi, mais bon, en l'occurrence, les transpositions sont un peu plus nombreuses, un peu plus délicates à opérer. Mais bon, voilà. Merci. Moi, j'aurais une question pour Barbara Carnevali. Je me passe le micro. Oui, parce que j'ai trouvé très, très forte l'opposition chez Rousseau entre la reprise, disons, authentique, en tout cas la posture depuis le premier discours avec la prosopopée de Fabricius et au fond, le modèle romain d'ailleurs, autant que grec du sage. Bon, et cette posture narcissique aussi dans les confessions. Mais il y a une autre dimension et je voudrais vous demander ce que vous en pensez. Par exemple, dans la profession de foi du vicaire savoyard, c'est vrai qu'il y a cette visée de réforme personnelle. Mais le modèle qui s'interpose aussi, c'est le modèle cartésien, c'est-à-dire une fois dans la vie, et d'ailleurs c'est bien dit dans les rêveries du promeneur solitaire aussi, hein, semel inuita, une fois dans la vie, repenser aussi les fondements de la connaissance, accéder à la vérité, et reprendre le modèle cartésien de la méditation. Et ce que je voulais vous demander, c'est comment d'une façon extrêmement forte, à la fois chez Rousseau, mais peut-être aussi chez Descartes, et d'ailleurs en réponse au scepticisme de Montaigne, peut-être également, sur le problème de la connaissance et du monde, comment est-ce que vous voyez cette sorte de rupture cartésienne qui n'en est peut-être pas tellement une que ça? C'est-à-dire, au fond, la modernité va chercher peut-être dans le retour à soi un fondement de la connaissance, donc peut-être plus dans la direction de la théorie, mais ça reste une réforme pratique de la vie. Et je crois quand même qu'on peut pas... La profession de foi du vicaire savoyard, elle comprend cette référence à Descartes d'une manière très intime. C'est-à-dire vraiment, je fais table rase... Et qu'est-ce que je trouve? Alors, c'est plus le cogito, mais bon. Donc, comment est-ce qu'on peut situer, finalement, cette référence cartésienne, moderne, dans la reprise tendue du modèle antique? C'est tout à fait juste. Il y a un très beau article de Henri Gouillet qui concerne exactement ces points-là. Oui, et qui concerne, lui, il essaye de faire un rapprochement entre les deux modèles. C'est l'article que j'avais en tête. Oui, et la conclusion va exactement dans la direction de notre journée d'études, c'est-à-dire qu'il y a une reprise littérale de la réforme cartésienne, mais qui est décentrée sur le plan éthique. C'est une réforme plutôt... Ce qui importe dans la vie, c'est d'avoir une perception éthique de ce qui importe. Et l'intellectualisme est considéré par Rousseau comme un véritable chrétien dans ce point de vue-là, mm-hmm. parce qu'il est convaincu que ça suffit de faire le bien pour être heureux et que les connaissances, la philosophie, la culture, l'érudition n'ont aucune valeur pour le bonheur en soi. C'était un peu l'essence de sa critique dans les discours contre l'autocélébration de la modernité. Et l'héritage de Descartes est très utile pour voir cette nouveauté.
Merci. Donc, on pourrait revenir aussi là-dessus, parce que c'est vrai que c'est très, très riche. Mais la question de Descartes, au fond, est-ce que Descartes a seulement cherché le fondement de la science, ou est-ce qu'il a aussi cherché une visée pratique ? C'est pas si sûr. Et Rousseau passe aussi par le fondement de la connaissance, comme tous les philosophes, au fond, dont il est question depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui.